ما عرف لون هي سقيف غاد كم لغة أول نفذة وما ينقين في ثمنا أم كي تسمنن لجدودنا أم كي تسمنن غورنا نبيد أول أم كي تفذة أم كي تفذة ثمنا يقين أم كي تسمنن زيه il y a à peu près 6000 isgwasen yagi et ben anaf belli ma nmuqqel العوايد نغ امكي دنوفا غير اللي كان يسمن مولانا نغ الجدد نغ نزمر بلي انف شود اثلي تاكي 6000 isgwasنا يا Donc, le vrai rat de Barawal Sagi, justement, de nos femmes, et Moulan Nord, Tsemnen, Erlikan, par exemple, dans les Xigwesnis, Tsin, Arsvein, Thur, Atas, Imazel, la vraie Ithmurt Lakvail. Donc, Darnan, Leyoun Bawel, c'est que Asatou Yaginnar, Algir Yaginnar, نغلظ فات وانا كونفوندي ياك قارن نغلظ le sous-développement matériel il a été confondu souvent avec le sous-développement spirituel par les nouvelles générations. Ayagin yazmara dinar balak يكاد سي سي استعمار لين فوق ام قران اك فرنسا استادير ils ont détruit la colonisation a détruit en quelque sorte nos rites nos croyances pendant bout de 130 ans donc on a été imprégné un petit peu aussi qu'on le veuille ou non par ça ce qui fait que au lendemain de l'indépendance même on a négligé c'est-à-dire nhaqar négligé les croyances Ça va être fatal, en fait, dans ce qu'on voit actuellement, dans l'intrusion de certains courants religieux, surtout fanatiques en ce moment, à travers toute la Kabylie. Donc, en fait, on était responsable, mais en même temps des victimes. C'est-à-dire qu'on n'a pas su, on n'a pas su relever le défi, peut-être, d'une décolonisation des esprits, et puis d'arriver à renouer avec notre propre valeur, nos propres croyances, ainsi. Et ça, c'est ça que je voulais aborder là. Voilà, pour faciliter un peu Balak, les choses, Adadra, en plus, ça fait. Fiflis nous dit, là, la région que je connais le mieux, en fait, dans ça, des souvenirs, vraiment, d'avoir quelques souvenirs, justement, de cette période de la 60 à 70, même un peu avant, les années 50, un petit semblant, le Kvail Nord, surtout, Fiflis nous dit, mais on peut dire que c'est partout pareil en Kabylie. Donc, selon Fiflis Nord, la dernière fois, un des gens, normal, en fait, je ne sais pas si vous avez dit que 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 vous avez dit كنت مكتير هنا تورا تجد لكارت نزيه دي 19 سيكل يدي تورين العراش نزيه يتمور القبيل العراش كيف في الاسلام بليد وقيد ان الجهاز الماض مسترك دي انوار يعني المركز داخل في الاسلام بليد ابريد لما ضربات العمروان لان الصدقان فاتت لي كونفيدراسيون يفلس نبلي لان با كونفوندر افيك يفلس البحر سي فو غاردي ان هو لان الجهه تكزيرد يبركا يفلس البحر
Torah de morale, alors, c'est que les liens, ils l'ont, griffissent l'île, griffissent le bhar. Faites qu'à mon avis, Zikthoris, c'est le même peuple, griffissent le bhar, on tourne, griffissent l'île. Je suis venu faire qu'on a dit que, en fait, le Sibao, c'est fini le Sibao. Il y a des Romains, mais c'est 1830, même un petit peu avant Henri la Turque, qui se n'a qu'à la guerre, le littoral, en fait, de la Kabylie, sur le Honsi, de l'Eus, à la Mille, soit de la guerre Kabjnat, et puis Zmouri, etc. Ça appartenait à Frisnoum Lille. Et de l'Ovan, mais qui se n'a pas qu'à la guerre, après 1871, ils ont refoulé, ils finissent à Roudrar, ils finissent à Gimbelil, ils finissent à Boudrar. Et puis ils ont refoulé vers l'est, ils finissent à Gidoran, ils finissent à Lebhar. Voilà, ça c'est juste une petite parenthèse historique. Ce qui nous va de notre donc, la voyade, nous avons des croyants surtout, un petit semaine, ils finissent à Boudrar, nous avons des croyants de l'Ukhlikat. نظرة بليت لاين فورمول نكون ورناغ تريسبكتين غطاس زيك تقدرن ديانات مبيضين نغدي كرويون سبويض لكن يقارن تقلن سيشمع ليمان زيك سي بارتوت لي كرويون ورد الغلا الغرس ما دي نهضر شوية ما في الفاناتيزم بريتار دونك لا ريجون كيف لي سن فات لي انكلافي لي C'est une région qui est les portes de la Kabylie. Elle est enclavée et entourée de chaînes de montagnes, la chaîne de Timzret, Sidi Ali Bounaf d'un côté, et de l'autre côté, la chaîne Itzalins Gouet Kholfoun, Touli Avqas, Akina, Nigdra Al-Mizan, Amida Nigat Smaal, Misawun Grigart. Donc, outil de Kshimnera facilement, qui est de Nikshamen, Amad Iromien, Amad Turk, et tout ça. Donc, ce qui fait que Médichouère, déjà, les années 60, à mes 70, c'est une région où il y a très peu, par exemple, de Imravdan, Imravdan Qlilif, l'un d'Imravdan Waqila Gouajjan, Andesn Qaran, et il n'y a pas eu de père blanc non plus, Romyan, hein? Si je compare à Wadsmahan, Thiani, etc. Donc, c'est une région qui est restée un petit peu vierge de ce côté-là. Donc, elle a gardé, elle a plus gardé, je dirais, les croyances ancestrales que dans d'autres régions où ils ont été pénétrés, travaillés par, que ce soit les Pères Blancs, le colonialisme, etc., ou que ce soit par Imravdan avant, etc. Donc, d'ailleurs, juste une parenthèse, il y a un homme de cloître, Alhamdoulilah, il y a Hassan Talib, qui était très connu, en fait, il était Zouzou, Israël Damazir, etc., c'est peut-être Abdel Moumen. Et il a dit que c'était le Djawat Aguinna, il a fait le Djawat Mzaden, il a dit que Yahya Moussa, je pense, il a traversé, il a fait un Fougalt. Et puis, il a dit que, par exemple, Dina, il a dit que l'Aïba de Gourla, ça l'a interpellé. Il se dit, vous avez des traditions, c'est très intéressant, il était curieux de savoir donc c'est juste pour dire qu'il y a des traditions, des coutumes qui sont préservées dans la région et des croyances aussi qui sont qui doivent remonter très, très loin dans le temps. Donc, à cet égard, Darnan, Vladimir Blin, j'ai eu la chance, au fait, d'avoir su garder contact avec certains instituteurs roumiens, et en particulier l'arrière-petit-fils de Couvillion. Couvillion, en fait, Justin Couvillion, c'est lui le premier dans cette région des Frisnoumoulil. C'est un colon français, c'est l'Alsace, en fait, exactement, c'est Gianni Rambert-Villers. En 1890, il dit donc là, ils avaient, après la défaite des Kabyles, là, par rapport à la pénétration française, donc Ichmed, c'est dans Zouarou, Al-Jabat
يخدم لاكول، لاكول مقارن غرباز غير الكروش، غير الكروش سوا دي طامباسون غادر سينا دي نيغران بروبابلمون اسم ساكن لي لو بسيكياتر الجيريان بوس بسي دون سيت ريجيون لا. دونك غير الكروش نسيت يفنان دو كوفينيون ابري يخدم ليكول نغ غير بوماري سي الدوزيام ابري غرباز قرا سي زين سومبر بري تي زيرميف. Donc c'est juste un inconvénient intensivement vers ça a commencé vers 1890. Et puis son arrière-petit-fils en fait c'était un instituteur, il était Zernev. Il s'est donc mis oui ça d'Arnon donc Robarovitz en particulier il y a une situation mieux c'est Doumerg, Jean Doumerg. ميري دومرغ تاسي صغرن تي زغنيف سنتين الغاشين يقال نمام عاش دي ثمور تامر لي زاني اكي 70 73 نغاش مامك يقال نا فرنسا ابري وساند وساند دان لي زاني 90 سنين يقال ند واحد 20 سن غاردين تي زغنيف الا لي كوفينيون اكي با لي كوفينيون مي دومرغ بي جاكي برونيل سين سون نيفو au royaume de Zernif. Donc, Doumerg, Jean Doumerg, j'ai correspondu avec lui, là, l'art, qui s'est passé en 90 à 94, et puis, il y a donc, à Covidion, il y a une émission, à la fin de des témoignages de à خاطر كي دنيغ يلو الميس نتي زيرنيف يلو لي غورنا سي لا سي اون بو دير لا دوزيام جينيراسيون يرو من يلو لن نتي زيرنيف دونك يكوني بوكو دو شوز اون بارتيكولي في لا ريجون كي فات جدس كوفينيون يجد كلكو زيكري اوسي كي لا مي لا مان دوسو دونك يخدم اوسي ان تيمونياج وفات ان اكري تورون ادغول غورس ابري ام كي ديو فاش دس ان 1890 لا ريجون كي فلس نوم الليل تورون زمان مزبغرو او بروميي طون او ازمان زيخ اوتر فوا عمر سافي الوغ كيل ساجيسي دون بيل استوار كي سون غران بير افي بليزير ا راكونتي اي سيل كي ايتي داتي دون لو كونت دي رومي او كومونسي سامبلومون بار يبواس ان جور. Il s'agissait là de la propre histoire du grand-père faite de peine, de sueur et de sang, toujours douloureuse à conter et à entendre. Le regard de Hadj Aïssa se faisait plus lointain, se perdait bien au-delà de son petit-fils. Ses pommettes rougissaient, mais il ne faiblissait pas. C'était à lui qu'incombait le devoir d'instruire son petit-fils. Il le faisait de sa voix profonde et calme qu'il laissait traîner sur les voyelles et coupé de silence éloquent à la manière de Timgharin, dévidant les contes de la veillée. C'est qu'il avait conscience de raconter l'histoire d'un monstre plus terrible par son avidité que Teril, l'ogresse, et par ses possibilités que Telefsan, le hideux serpent à sa tête, hôte des eaux stagnantes et grand dévoreur de vierges. Cette histoire, un homme pouvait sans honte la raconter. Elle n'était pas un conte de vieille femme fait pour épouvanter délicieusement les enfants dans la pénombre de l'histoire. Elle était une histoire d'homme, une histoire vraie. Hadj Aïssa choisissait minutieusement ses mots, s'attardait à la forme, semblait vouloir graver dans l'esprit de l'enfant un récit aussi parfait que possible qu'il laissait couler de sa bouche par petites doses au fil des jours, à mesure que l'enfant grandissait. Ismaram Zouaron, d'après mes aïeux, Dieu les ait accueillis en son sein. Toute la vallée que l'œil peut voir depuis l'Isser jusqu'au Djurdjura était vide. C'était le Khlan, le vide. Pas une seule maison n'y était construite. Pas un seul arbre n'y poussait. Couverte d'herbes parsemées de touffes de jujubier sauvages, de myrtes, de ronciers, de lauriers roses, le long des ouèdes, la vallée était le royaume des lièvres, des lapins, des cailles, des perdrix. De chaque côté de la vallée, un madère recouvrait les premières pentes, oliviers sauvages, lentisques, bruyères, arbousiers. Puis
le ravin, la haute forêt, succédaient aux maquis. Chênes à glands doux, chênes lièges, chênes zen, recouvraient un sous-bois épais. Clématites, chevrefeuilles s'élançaient d'un arbre à l'autre, enchevêtrées, les branches des bruyères entrant des arbousiers, formant d'infranchissables barrières. C'était le refuge des sangliers, chacals, hyènes, panthères et lions. On ne pouvait y pénétrer qu'en suivant au ras du sol les trouées faites par les bêtes sauvages. Voilà, etc., etc. Donc, vous voyez comment c'était la faune et la flore et tout ça vers 1890. Il parle des comme quoi c'était le royaume des fauves. Et justement, ici, on voit, je vous montre une photo de l'époque, 1892. C'est une panthère qui était abattue dans la région Temsal-Sidi-Ali-Bounam et qui était exposée à Isserville. Elle a été abattue par des colons, probablement, par des chasseurs. Et Bounsid à Isserville, à côté des Isser. C'est peut-être les derniers les fauves de la région, peut-être parce qu'ils ont été exterminés. Malheureusement, on restera inconsolable avec cette histoire-là. Donc, ça, c'était le Hadjaïsan. Maintenant, à les années 50, en fait, on sait que c'était la guerre d'Algérie, à ce moment-là. Et puis, il y avait. Comment vivaient les gens, en fait, pendant cette guerre-là? De libération, leurs croyances par exemple et leur culture en général. C'était l'époque. En fait, pendant cette période-là, c'était la vie culturelle, si vous voulez, où les croyances étaient mises entre parenthèses, parce que le colonialisme, malheureusement, il a beaucoup détruit. Oui, donc pendant cette période-là, par exemple, je me rappelle quand ils construisaient les camps militaires français là, sur les Pitons, justement le Piton 636, ils avaient ils allaient démolir Assas, Sidi Youssef, Sidi Youssef. Après, il y a des tractations, ils l'ont épargné un petit peu, ils ont construit autour, en fait, ils l'ont emprisonné. Et ça, c'était d'ailleurs une pratique à travers toute la Kabylie. Hein. On le connaît, Sidi Youssef, il était dans la caserne, à l'intérieur de la caserne. Et par exemple, quelqu'un m'a dit aussi, ils avaient fait la même chose avec la Front nationale, avec Sidi Handawennou, et qui les gens, en fait, c'était une façon. La colonisation française de confisquer nos saints quand ils ne voulaient pas les détruire parce que ça provoquait probablement de la réaction, ils les confisquaient. Donc c'était une façon de nous couper de nos racines, de nous couper de nos croyances et de notre culture. Donc je fais Asmin, la bulldozer, à des sautés, des noms, il can, à des Karan, à assassiner Sidi Youssef. Et l'ironie du sort, il paraît que même le Rochenil, il Koubsen, c'est Youssef, Arzant, donc, il a c'était interdit aussi les pèlerinages, c'était interdit de faire des rites à Kayam, par exemple, c'était interdit. Donc, même les veillées funèbres, Zik et tout ça, pour enterrer des morts là, pendant la guerre, c'est des trous qui creusaient rapidement en vitesse et puis jeter les cadavres des nains. Donc, il n'y avait plus de vie spirituelle, il n'y avait plus de respect ni des vivants ni des morts. Donc, c'était une période assez terrible. Voilà, c'était pendant la guerre. Par exemple, même la Hawaï qui sont Chouddin, Ashworth, tout ça a été mis entre parenthèses, c'est fait d'une façon discrète, clandestinement. La période tournant post-indépendance, c'est ça qui était intéressant. Bon, qu'est-ce que dire
On connaît un petit une femme il m'a dans le nord le nord un petit samlin c'est que zik samlin blli l'avd dans le sen qara il a la charte la jendat il a la charte et tout ça mais l'avd samlin blli l'a l'avd il a sin l'arwah il a enfin il a sin les âmes il a roh الروح هاك نسقارن سي لام سوبتيل كي فيان دو لانفيزيبل الروح سي لام سوبتيل كي فيان دو لانفيزيبل اي بي الا النفس سترومي سي لام فيجيتاتيف كي ال فيان دو لا مير دونك ما يمذي وان النفسي سي تسبان هذا مثلا فات الكوارينس تفكينس سي كي رونفيرم لام فيجيتاتيف الروح هي سون ام الروح هي سي فان يسون فول او فات يفان دون يرونتر دون الموند دي انفيزيبل دونك دامي اون اوتيليز ان بلوريال قال ايمان بدينا جون قال ايمان دونك ما يمثيبون زيك دونك الروح هي Cetera, donc il y a comme une deuxième, si vous voulez, continuité de la vie sous la forme de la roue. Et il y a un petit la voie donc c'est respecter ce qu'on a il y a comme un contrat d'alliance, et de mort, il تتحرفن في مدورن اي مدورن داغ ناس مدورن سنة فتخد من لعاذين تزرونتن اكسترا دونك على الانديبندونس دي يافي ان روتور دونك ان روتور سي تراديسيون لا سي ريت لا سي كرويونس لا Mais comme je disais, malheureusement, on n'avait pas les moyens intellectuels à l'époque de défendre ça, de sauvegarder ça. Juste une parenthèse, quand j'étais à l'école dans les années jusqu'à 65, on était les premiers, j'ai fait partie de la première promotion, si on peut dire, qui a atteint un niveau d'instruction de la sixième. Ça a atteint un concours de la sixième, le collège. Et d'ailleurs, ils ont tous réussi par la suite. Hein. C'est le médecin de Tizerneh, le docteur Achour Gahlaz, il y a aussi Slimane Bakri, c'est devenu un général, un colonel dans l'armée algérienne. Il y avait d'autres, trois autres, là, il y avait deux filles, Mejdoub Djouhar, il y avait l'autre, je ne me rappelle pas son nom. Donc, ils ont tous réussi, en fait, par la suite. Mais il faut dire qu'on était les premiers, peut-être, à atteindre ce niveau-là d'instruction. Là, c'était interdit. En fait, le niveau de certificat d'études, on ne peut pas aller plus loin après le certificat d'études. C'était le cas de plusieurs personnes dans la région. Mais l'école, il venait à Convignon, l'école Guérel-Bourmari. Donc les activités que je fais d'Akagi à partir des années 62, il y a eu une reprise de certaines activités. Thémaré, par exemple, il y avait Saatouche, l'Abar, اسمي غواماسيس très dangereux ils ont réussi vers entre les années 62 63 à Sidkissen et comme ça s'est bien passé t'es pas paralysé etc donc Et c'est la première fois qu'on voit des baleines, vraiment, parce que les musiciens, pendant la guerre, ils avaient tous caché leurs instruments, c'était interdit.
Donc, Sofrontenide, et puis on était emballés. Je me rappelle que ça m'a marqué. Hein. C'était tellement intéressé. Alors, même pendant longtemps, ça nous a marqué. Après, là, Darnan, j'ai assisté. Il y avait un mausolée, le mausolée le plus connu dans la région, c'est Dahyoun. Souffrant aussi cette période-là, en fait, dans les années toujours 63-64, Saint-Jacques, c'est Dahyoul, la première fois depuis l'indépendance. Donc, Saint-Jacques, il y a une procession à Thoudrine. Je ferme le et puis nous connaissons le Kissadin et vous y le fan. Nous connaissons le Hassan Amar, il donne que c'est un des chonines, d'ailleurs, le bon de Saint-Jacques. Et puis nous sommes tous les deux au carrosse, nous sommes tous les deux au roaming. C'était une piste, quand nous sommes tous les deux au roaming, c'était une piste. Donc, ça nous a marqué aussi. Il y a joué de Saint-Jacques, etc. On a commencé à poser des questions. Maintenant, je fais Zerdan, c'est un autre saint, c'est un autre mausolée, c'est le Qasmouadi. La sécheresse, en fait, du était au four pendant longtemps. Je ne me rappelle pas l'année exacte, là, mais c'était autour de ces années-là. Et puis, Zerdangi, on dit Garen, et puis, l'Arash, il était invité. Et je me rappelle, c'était la dernière fois qu'il a que l'arche imzalen c'était des milliers de gens de Rohan, peut-être 2000 chal donc ils donnent que un chal et puis ils ont un repas un festin et ça me dit bas mais chanel que me donne que c'est divin douyari ou ça n'a vendu toute la nuit. Amis de Skyni, après, il s'est rendu au four. Et là, Zardan, en fait, c'était chez nous, la Makan de Vendernay, de Kern, c'est la même chose, il a eu des Nashva, comme là, c'est Chavan, Amar, Kassi, Wakidan, donc Chavan, Amar, Wali. D'Azergal, mais il y a des sphères incroyables, de Kern. Ça nous a marqué aussi. Enfin, c'était la première fois qu'on voyait ça. Et puis, le sens, à droite, le sens, c'est Sidi Ayounagi, après, Darnan, je fais la première fois aussi, au printemps, il y avait un rite du printemps, une certaine soute. Et qui ont eu l'honneur d'inaugurer ça, donc après des années de guerre, enfin d'interdiction, ils ont relevé le défi avec un témoin de Natsir Hamar Bezazi, et qui les a organisés, je suis allé à Nikad, à Tadarth, à Knir, sur était à cousine et puis chenoun coûte d'art mais bon on a d'art à chenoun car on s'est rendu genre j'en te fais tout à l'heure les mêlés ya khalti c'est pour te d'art je ne fais qu'un barrage et koufani koufan il gaz ni mehrazen etc donc كاكي كل خام ندف دن سدر شنون إلا تبخا ما سندف كادغوا سندف الحاجة أوران تقطيت كل يوم داشو ميزمر كل يوم داشو متزمر إبي تم ديت داش معنوك نديوينا كنيكات تيم غارين غور سندينا نقافي ذن سبنت إمريكاتي من السين سوانو كي ديوينا كنيكات فوالا دار نص تسوين لقي حوالي كي السن صراحة من الوضع تسوين لي فلور هكا كي تفسوت تديستريبيين ويتيدورين هكا وغير تروحون تاكي ستي لا بروسيسيون تفسوت ابري دار نص ان اوتر شوز زيارة هكا دار نص نتقبثين نغي عساسن سا روبخي اوسي تروحون غير نيكات بار اكزومبل الا يونا الجانب مش راس غير مولان قرنس الشيخ احمد بودربلان تروحون تزورن الشيخ احمد بودربلان
comme il y avait beaucoup de gens qui ont été traumatisés, il y avait les Guérandines, donc il y avait beaucoup de problèmes psychologiques. Mais à l'époque, déjà, on fait mal en la tasse. Que ça marche. Alors, on a dit, je devine, à Cheikh Ahmed Boudarbalan, ça se passait les jeudis des Nains. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner aussi ma tante des Nains. Et puis, j'ai passé une soirée complète, une nuit complète, une sahara, d'un Cheikh Ahmed Boudarbalan. À Douala-Rousse aussi, parce que c'était la première fois. En fait, Rouhardina, mais je suis retourné bien plus tard, au Rouhardina, vers les années 74, 75. Et je gagne un psychiatre, l'Aqvaïlien français, il a qu'il a absolument d'enregistrer parce que du point de vue psychiatrique, c'est très important. Il a que ça marche, il a que c'est des méthodes qui marchent pour le traitement de certains patients. On se retrouve dans si Mohamed Verkan, Diabla, Rwanda, Wassif, Denzor. Donc, ils ont repris Ziran et Assassin de l'Mkhamad. Il a une ligne à devenir, malheureusement, si vous voulez, c'était Moussou, Fusina, la famille Moussiné, pour comprendre tout ça. Est-ce que ça marche là-dedans? Mais je sais que la plupart des jeunes de ma génération, là, ils prenaient ça pour de la rigolade, en fait. Ils ne respectaient pas ça. Donc, حقرن العوايد كاين باغ اكزومبل حقرن لي كروايون كاين اي بي سي مالورو سي بيان بلو تار كاين استيم هذيو كو جي ديكوفير ان بتي بو كو جي كومونسي ا ريفليشير ا سا سي كونت جي اي فرانس دونك ابري لي زاني 72 جو سوي تومبي سور ان بروميير تيز دو دكتورا دو جون سيرفيي إذا هضرنا في العوايد كاين غير كلية في ديما نورنا في ثقوبتي ناكي في عساس ناكي اي ان ليزون لا تيز ني ابري تو يشوف غير تيد سو فورم دو ليفر ثورا يا ان ليفر كي سابال لي بورت دو لاني نور لونغ ترادوي كاريمون تراديسيون سيفيليزاسيون بربر جو بونس ماتنو باسكو سي ليتود اللي تي مونومونتال. Eh ben, j'ai découvert les portes de l'année à Guignes, beaucoup de choses. En fait, il faut faire des hadars. Les traditions à Guignes, et tout ça. Et les tombeaux à Guignes, en fait, souvent, les tombeaux des ancêtres. يبزور انا المزور ابطال ما دين يض سي با تقبت نقول تقرا في غمراس غمراس سي كيلكان سي تي ان انستر سي لي انستر بروتيكتور كي سون ديفوني دي سان دي سان دو دي فوا ميم دو الاسلام نور افريكان سيرتان سون ديفوني دي سان مي سي لو ريسبي الماروك مازال الماروك قرنا سي غرام غرام اوسي سي لا ميم تراديسيون. C'est le culte né des ancêtres. C'est le culte des ancêtres, les mêmes qui se produisaient il y a probablement 4000, 5000 ans. La même chose dans toute la Mésopotamie, Gobekli Tepe, Dinan, Andedvdan, pour la première fois, il commençait à faire le culte, à respecter. En fait, c'est les premières religions. C'est les cultes des ancêtres. Ils viennent d'Inde. Donc, le Kunis a survécu jusqu'à maintenant. En fait, le culte des ancêtres, non, le culte des tombeaux, des ancêtres, des Koptines. Donc, le tombeau, en fait, contrairement à ce que pensaient plusieurs personnes, en fait, surtout qui sont travaillés par les religions monothéistes, l'islam ou autre, ils pensaient qu'on adorait des rochers, on adorait des arbres et tout ça, alors que c'est archi faux, c'est pas ça. C'est qu'ils n'ont rien compris. Il faut relire encore cette thèse de Jean Servier qui s'appelle Tiburos Guas, les portes de l'année. Le tombeau, c'est l'endroit indédit sur la roue. Donc, c'est l'endroit où le ruh d'un individu il revient le plus volontiers, c'est-à-dire où les membres de son clan pourront consolider avec leur ancêtre l'alliance qui les unit. Donc, avec la ruh,
il y a comme un contrat d'alliance. Il y a des choses, par exemple, des Yakimans, des données, des Donc, il y a un contrat d'alliance à Kedner, Donc, c'est ça qui n'a pas été très bien compris, je pense, par bien du monde, là. C'est ce contrat d'alliance entre les vivants et les morts. Et les rites, et tout ça, en fait, c'est des rites, c'est des gestes de piété, c'est des gestes de piété quasiment religieuses, qui renouvellent le contrat d'alliance, et surtout à des moments critiques à Kagi, hein, quand il y a une sécheresse, à des moments critiques de l'année. Mais il n'y a, par exemple, il n'y a, toutes les rites d'Inchadum, c'est pour renouveler toujours le contrat avec l'alliance entre l'Anayan, et c'est ainsi qu'il s'équilibre dans la pensée nord, la pensée kabyle, la pensée amazigh et même méditerranéenne. Elle s'équilibre la vie et la mort qui sont nécessaires l'une à l'autre. Donc il n'y a pas, d'ailleurs, nous connaissons là, il n'y a pas de prêtre ni d'imam à cette religion. Donc c'est des croyances qui n'ont pas besoin d'un prêtre ou d'un imam. Il ne peut pas y en avoir. Chaque chef de famille, chaque chef de famille, chaque maîtresse de la maison, ils ont seul le pouvoir d'accomplir les rites particuliers qui affirment sur la terre le groupe humain dont ils ont la charge. En fait, c'est elle qui joue le rôle, si vous voulez, du prêtre, d'un imam. Donc, Donc, c'était sans leur croyance, si vous voulez. Donc, tout le Kedenir, il y a un tas de choix, tout le monde, et à ce sens-là, Kedenir, Machi Yunigla, Kul Tadder, Kul Arch, San, San, Assassin, San, et tout ça. Et puis, ce qu'on a dit, c'est que Dniani, Machi Kul Arch, Assassin, que d'Assassin, Iglan, Kul Yun, il s'est respecté, Assassin, Bednin, donc il y avait comme une espèce de liberté de. Non seulement de liberté de culte, mais aussi il y avait le respect surtout, le respect des différences. Et ça, on l'a perdu avec le monothéisme agi qu'on va voir un peu plus tard, hein. Malheureusement, voilà. Oui, donc, je décède, c'est sur Fiello, qui est, il a vécu centenaire, hein, il est né vers 1800, probablement 53. Donc, Nirdi, le respect des cultes coule à ma kinikat tout rang à Sasnagi, c'est comme on peut faire un parallèle avec le polythéisme. Donc, coule yewun, coule l'arche, et ça hang yewun, narsi, nakagi, skadarn, tenakadner, zoron, tened, medden. Donc, voilà, Sualim Dagi, Yotrobets, qui a été détruit probablement par la suite aussi pendant la colonisation. Donc, Tekoubtinagi, en fait, ça symbolise aussi, Kedenir, c'est des sanctuaires, c'est des mausolées, l'ancêtre commun. Il n'y a pas de culte des morts à proprement parler. Hein. Le plan humain, il se prolonge dans l'invisible. Donc,
par ses morts. Et continuons en fait l'étroite solidarité de la famille méditerranéenne. Hein? Par exemple, Shfir Akagi, même Jeddi, Imam Abdelnar, ma travers ma dîne Gouvrive Kagi, la France est à terre, a traversé un cimetière. Slimane fait ce coin, a fait Flarwah, il l'a dit là, Flarwah, vous avez dit Mouton. Donc il salue les morts comme il salue les vivants. L'Aouaïdine Khaddam, Mfigi, tout le Yennayer, par exemple, Narif South, tout ça, Mansert South, c'est des rites, c'est des rites de passage qui marquent les saisons de la vie de l'homme. Et comme les rites, ils sont empreints d'un caractère, en fait, ils sont des fois empreints d'un caractère funéraire, comme les rites agricoles, venus de la volonté des vivants d'associer les morts au rythme de la vie terrestre. Les gens qui sont cramponnés à leur terre, autour de leurs ancêtres, donc, suzerains, invisibles et protecteurs, ils n'ont accepté les idées guillemets, par exemple, nouvelles, les idées nouvelles comme des autres religions, par exemple, qui les ont pénétrées, que dans la mesure où elles faisaient la place au tombeau. Hein. Ils ont refusé de détruire, en fait, le Yusuf. Et ces tombeaux, en fait, blancs, souvent des coupes blanches, c'est des immuables gardiens jusqu'à tout récemment. C'est les gardiens des cols et des montagnes et qui sont devenus des saints reconnus. Même de l'islam nord-africain. Par exemple, Ahmadiyyen, etc., ils respectaient ces saints-là, et même, on peut aller jusqu'en Tunisie, hein, ces mausolées, ils sont un peu partout en Afrique du Nord, même le fameux Sidi Bou Saïd à Tunis, c'est un tombeau aussi d'un ancêtre suzerain. Donc, c'est ça, il y a un respect d'Agave, par exemple, c'est Tekerouch c'est pas des fois, c'est un chêne sacré du village, Tekerouch, c'est un chêne liège, qui est, comme vous voyez ici, le tronc, il est centenaire, il y a plusieurs siècles. Tekerouch c'était toujours le lieu protecteur du village, c'est que Ardagin par exemple, le Adin, شاشكو فهمه بلي إج مزور النار الجدود النار تروحون تشوفون تخمن وسي دو دو دي تكرش تاكي خدم لا سياست اكسترا دونك الارواح نسن تشغل ارداكي دونك ما داوين الوعظه تكرش تاكي سي با كي زادور با تكرش تاكي زادور الارواح يمزور النار تي تشغل النار دينا الجدود النار. Donc il faut comprendre ça, ça a été un amalgame où c'est les ennemis nord, qui n'ont pas été abîmés de Tekerouch. Ce n'est pas Tekerouch qui n'est pas abîmé. Des fois, ça va donner un tsaslan, des fois, ça se mourte, des fois, ça se chate. Par exemple, il y a eu Tachatakné. D'ailleurs, il y a eu Tfilas, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, un météorite, il y a eu Donc, Koulioun, des fois, ça se charouf. Voilà. Ce qui était remarquable aussi, c'est le respect à Guigne des différences d'un âge à un autre. Et ça rappelle, comme je disais, le polythéisme grec même, dans une certaine mesure. Ici, voilà, on voit sur le haut de la colline là-bas, le Python 636. Qui est maintenant un collège, ils ont construit un collège là-bas. Juste en contrebas, on voit l'école Guérel-Bormary, Vnac-Ouvignon. Et Oussaouen, donc c'est le Python 636, Dadra, la prochaine fois, il y a un témoignage d'un Askré, un Français, et Glan, le Python, et Gesmitsuret, le Casernan, et Romien, de Giglasidius, n'est-ce pas, des temps passants, il a collé Nina Oussaouen. Et puis, oui, Askeg en français, c'est
le sergent Paul Fauchon. Le sergent Paul Fauchon, il s'est fait attaquer il n'y a pas très longtemps. C'est des témoignages. Il s'est fait attaquer le Guéran, Rorla, Gamzagan. Donc, il est Kainan en 1956 et 1957. Et c'est très intéressant, je dis, dans la période de l'année. Voilà, mais on s'arrête le temps de se لكن تولي تقب تسيدغنا اللي كان فوالا دونك الى عويض كين الى يذمنا يا كين تسامن سي مازيغن او فات خدمه ديون لارتيكل السين يابان تري لونتون 2003 او فات سوفاتيد افيك يتقشير قناه سولباني يسفر في سن سي لا هولاند سي ان دوفن نخدم ان ارتيكل في تلاوين تلاوين اللي تمر يمازيغن الى افريك دي نور اون جينيرال اي بي سي ان ايتود دا كاغي هيستوريك متن ولا خاطر تام طوس فات سان بوفوار غورنا سي زي دونك سي ان بوفوار يافي ميم ماترياركا منصوب ايطالقيا اي ميم لي تموت القبايل تي داوين كنت نشفها تي ما في النار تي مغارين تو سا ديت نسيك طفل يثم لا يجي النار الى عوايد النار سان تي ديت تيان ان بوفوار سبيريتويال تري امبورطون ذاك النار ديت نسيك يخدم لو رول دو دي بريتر نار دو ليمام تسي ماتس تسي ماتس دي غورا دونك الى ارتيكل كي نسفها مرتيد نسفها ميتيد ان لون ان لارج les pouvoirs guignes féminins, les pouvoirs spirituels, les pouvoirs culturels qu'ils avaient, et puis à travers des siècles, à travers l'évolution même, non? Et ça a été publié dans une revue de l'université américaine de Beyrouth, Mokaran Raida. Tiens, la référence, vous voyez, à des rares, l'article glissé, malheureusement, parce que ça s'adresse à une échelle internationale. C'est quoi la femme Amazir, Amazir woman. Donc, à qui est de venir Frohan Rachouya, et c'est pour ça que Sagin, au fin d'avril, Stoufan, les fanatiques, surtout les islamistes aguerris, les salafistes en particulier, parce que on a saccagé nos croyances, on n'a pas respecté les croyances, les parents nards, les judeux nards. Et puis c'est la misère intellectuelle, c'est le sous-développement intellectuel, il risque de nous garder nards. Qui de venir, nous connaissons la génération nards, on n'était pas nombreux, nous sommes en sixième de la misère dans les années 65, mais après, il y a eu beaucoup à cause de la politique, il y a eu beaucoup d'opportunistes, en particulier tout ça. Donc, ils ont acculé. C'est une culture de survie. Donc, des traditions nord, des rites nord et tout ça. Au clair de l'été 73, par exemple, et puis voilà, je suis en même que ça commençait les dégâts de l'islamisme et tout ça, c'était vers cette période-là. Il dit, bon, bien, mes frères musulmans, c'est massacre, et puis comme ça, le carnage, c'est le résultat de Gwen Zeran et les années 73, au lieu de revaloriser nos croyances, nos coutumes, nos cultures, etc., ils nous ont vendu pratiquement à l'Orient et aux frères musulmans égyptiens. Voilà pourquoi nous avons dit que 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 nous avons dit c'était un ancien moudjahid, mais qui n'a jamais été reconnu, miskin. Il a pris le maquis, en fait, il était garde du corps des premiers maquisards de Kabylie, là, en particulier, c'était Dardanes, Ghalaz, et puis Krim Belkacem aussi, Ali Mullah, Arzqin Al-Hajj Hamad, tous les premiers combattants
des Ifrane qui ont pris le maquis en Kabylie, dans la région, Iflis-Noum l'île, Yahya Moussa, Tafouralt, Tichir et tout ça, dans Mkiren, dans les années 45. Dagui, juste un petit souvenir, en 82, au Mioralar, Rahat Zohra, justement, c'est Youssef, Dagui, c'est un terrain, c'est un exercice, et Yoni Zimmer, Vindan, Arif, c'est Youssef. Dagui, la même, 10 ans après, Rahat Zohra, aussi l'Académie berbère. Pas l'académie, mais le département de langue et culture amazigh à Tizi Ouzou, et Wagi, qui est le plus à gauche, justement, en Fondation d'Akkors Glen, c'est Hassan Talab, il est originaire d'Amazigh, et puis il y a des livres d'Amazigh sur le Maroc, je vais voir, on va aller à Adda du Maroc, c'est pas nouvelle, et puis il y a des livres, il devrait offrir le Maroc à Amazigh. Récemment, donc, on va s'arrêter probablement là. C'est le soulèvement des Arches, quand il y a eu en 2001 la marche née sur Alger. Et puis, des fois, on connaît les Kentzram, l'île, la moitié d'un Touran, ils nous ont amputé la Kabylie, le département de Boumerdès. Et dans la tête, ou je sais pas, un mec, il y a beaucoup de Kabyles, vous savez, en fait, à l'Imnara peut-être, que Boumerdès, plus de la moitié de l'Akvayel. Et justement, ils sont sur deux ou trois départements. L'un de Tizi Ouzou, l'un à Boumerdès, c'est Ali Bounavagi, par exemple, Temzrit, les Isser, Iwanour, Nathmeklang, tout ça, les usines Tnichan. Et donc en 2001, il n'y a pas longtemps, on a dit au Tanaka, qu'on vient Boumerdès, mais on a aussi nos martyrs de 2001. Il y en a eu un Meskin Acide, c'était l'un des derniers qui était décédé, des jeunes Lénran, en 2001, malheureusement. Donc voilà, on a fait. La prochaine fois, on va aller vers l'autonomie, la dépendance, l'autonomie de la Kabylie. Je vais vous dire aussi quelques témoignages. En fait, c'est la première rencontre Kabylie-Catalane qui a eu lieu après 2001. Et puis, on a été invité par les parlementaires catalans. Et c'est la première rencontre en fait, qui a eu lieu en Kabylie, Catalogne. Et puis, à Dunavar, et puis à Fiflis, ou Lille aussi, qui sont un petit peu, je veux dire, la prise de conscience à Guy, elle évolue, mais pas peut-être à un rythme qu'on aurait voulu, qu'on aurait souhaité, indépendamment, évidemment, des visions des uns et des autres. Voilà. Donc, ثان ميرت نون اوكار افريد نيفون اي في مازال خير رزق هذاك اللي قرا محمد يحيى مازال نغال ادنا ويا وال